Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Séphirot et compagnie. Alors nous nous retrouvons pour continuer les vidéos sur tout ce qui va concerner l'encouragement, tout ce qui va concerner les conseils que l'on peut avoir pour traverser cette période, en sachant que, je le répète, grosso modo, on va dire qu'il va falloir tenir et aller jusqu'à la fin de l'année à peu près pour retrouver des énergies peut-être un petit peu moins lourdes. Donc c'est un petit peu un marathon, c'est un petit peu une course d'endurance. C'est pour ça que je pense que ces vidéos, elles peuvent aussi alléger et apporter certaines choses très intéressantes, du soutien, etc. En tout cas, je pense que notre réservoir d'énergie n'étant pas inépuisable, il est très important de trouver le moyen finalement de le recharger, comment est-ce que je pourrais dire ça? De retrouver à la fois de la satisfaction, de la fierté d'être, du courage, enfin, en tout cas, tout un tas de choses justement qui constituent des véritables carburants dans nos vies, qui font qu'on est content de se lever le matin, et ça, c'est primordial. Alors, j'ai eu trois cartes encore et comme toujours, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Pas mal de choses à dire là-dessus. Je précise avant de commencer, en tout cas, qu'en dos de deck, j'ai eu le hochet qui représente la prière. Une prière qui va pouvoir se disséminer vraiment dans le monde entier. C'est-à-dire ne pas hésiter à prier effectivement au-delà même de notre entourage, de notre pays, mais vraiment pour le monde. On ne connaît pas en fait suffisamment la puissance de la prière. Je le précise, certains patriarches, notamment comme Abraham, mais aussi comme Isaac, Jacob, etc., ce sont des gens qui n'ont pas prié que pour Israël. Ce sont des personnes qui ont prié pour le monde entier. Parce que de toute façon, et j'en profite puisque là on est en plein dans le nouvel an juif, et voilà, je précise pour le dire, à cette occasion, il y a des prières tout à fait spécifiques qui sont faites aussi pour le monde entier par Israël, parce qu'en fait Israël a conscience que leur bonheur dépend aussi du bonheur de tout les personnes qui sont autour d'eux. À partir du moment où il y a des insatisfactions, des insécurités, etc., etc., de toute façon, ça rejaillit sur les personnes à côté. Donc, n'hésitons pas, soyons, comment je peux dire, soyons vraiment des guerriers de la lumière, je pense qu'on peut le dire largement. Osons les choses. Même si ça nous paraît incroyable, même si ça nous paraît immense, mais je crois qu'en fait, on manque de. Moi, la première, je manque d'ambition, en fait, dans mes prières, et c'est une chose que j'essaie de combattre. Voilà, parce que je pense que c'est entendu et c'est efficace. Bien, alors une fois que j'ai dit ça, je vais maintenant passer à ces trois cartes-là, qui sont d'un intérêt, enfin, c'est pareil, à chaque fois, les conseils sont tellement vibrants. Alors la première, quand j'ai retourné la carte des anciens, j'ai même ressenti une joie. J'ai ressenti quelque chose de, comme si finalement, il y avait un lien qui devait se recréer avec les racines, avec nos ancêtres. Je pense que notre civilisation qui se voulait moderne, innovante, sachant tout, à un moment donné, hein, j'entends, parce que maintenant, je crois que ça y est, on a compris qu'en fait, on ne sait pas grand-chose, mais à un moment donné, il y a eu ce phénomène-là on maîtrise tout, on connaît tout, on sait tout, voilà. Et puis, je pense, et notamment grâce aux sciences et des sciences comme la physique, et notamment la physique quantique, où finalement tout est arrivé et ça a chamboulé plein de certitudes. Ça fait beaucoup de bien, hein, parce que c'était carré et c'était étriqué complètement comme manière de penser. Mais cette science, à un moment donné, elle a
créer vraiment des difficultés, enfin comment, elle a créé des coupures, des césures terribles, et notamment avec tout cette richesse absolument extraordinaire du savoir des anciens. Et c'est pour ça que j'ai été joyeuse de retourner cette carte, parce que je me suis dit, mais oui, en fait, je réalise que dans de nombreux domaines, en médecine, on se reconnecte à des sagesses qui sont plusieurs fois millénaires. Et que de plus en plus de personnes vont vers ce qu'autrefois on pouvait appeler, alors même en France, sans aller chercher des sagesses à l'étranger, mais les rebouteux, les... Et là, on est en train de découvrir qu'il y a des personnes qui ont un réel pouvoir. Et au lieu d'aller en cachette, je dirais, parce qu'autrefois tout se faisait un petit peu, on n'en parlait pas trop, hein, c'était dans le silence, c'était... Et puis les personnes qui osaient le dire étaient comprises un petit peu, bon, pour des originales, on va dire. Ici et maintenant, on a cette chance de se reconnecter avec une sagesse ancestrale, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit au niveau donc du magnétisme, et ce sont des choses sur lesquelles maintenant on met des mots. Il y a de plus en plus de spécialités d'ailleurs qui s'ouvrent, qui se créent, qui se définissent. Et pour moi, c'est issu d'une sagesse tout à fait ancestrale. Une sagesse qui a été combattue pendant des siècles et combattue à grand renfort de bûchers, de morts, voilà. Aujourd'hui, on a cette chance fabuleuse de pouvoir se reconnecter à ça sans être torturé, sans être tué. Et je pense que faut y aller. Il y a quelque chose qui réouvre au travers de cette carte-là. C'est comme si on vous disait, ça y est, on va pouvoir se réconcilier aussi avec là d'où on vient. Et vous savez, quand on a coupé les racines et qu'on dit à quelqu'un, de toute façon, tes racines, il n'y a rien à en retirer. On coupe en fait une lignée, on coupe, même si l'endroit d'où on vient, il n'est pas terrible, même s'il y a eu des grosses difficultés, même si, oui, il y a une partie des liens délétères qui étaient à couper. Mais ça ne sert à rien, en revanche, c'est même pire que ça sert à rien, couper complètement les racines, ça veut dire qu'à ce moment-là, on empêche finalement les choses de continuer à grandir et à pousser sur d'autres, avec un autre terreau, je dirais. On peut retravailler complètement le terreau, mais il fallait recréer, je pense, un pont entre nos ancêtres et nous, et comprendre qu'il y avait aussi une sagesse, un savoir. Au-delà de la sagesse, il y avait un savoir, des connaissances propres. Et que ces connaissances, elles ont pu guérir des gens pendant des siècles, elles ont pu libérer aussi, même au niveau spirituel, elles ont pu... C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui on amène au grand jour, et que pour beaucoup on découvre, entre guillemets, ça existait depuis je ne sais combien de temps, sauf qu'il n'y avait pas de publicité faite autour de ça, et on en parlait peu. Donc je trouve que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire aussi qu'on peut se reconnecter, nous, en tant qu'individus, à un savoir. Savoir que nos ancêtres ont eu, qu'ils ont transmis, et que beaucoup des personnes aujourd'hui qui s'intéressent à tout ça, qui s'ouvrent, qui ressentent, qui, même si vous en êtes à un stade de votre recherche et de votre démarche, où vous vous dites, mais finalement, moi, oui, je ressemble, alors... Je mets aucun mot sur les choses, je ne sais pas finalement trop ce que je ressens, j'ai beaucoup de doutes, je suis un peu perdue par rapport à tout ça. C'est pas grave parce qu'en fait, tous ces savoirs-là justement étaient des savoirs transmis, on en parlait, et puis finalement de génération en génération, on arrivait à dire, bah, tu vois ce que tu ressens là, c'est ça, et puis, tiens, va t'entraîner, va faire ci, va voir un tel, va... Et puis petit à petit, on construisait un savoir complètement empirique. Eh bien là, j'ai l'impression qu'on nous dit, revenez à ça. C'est pas forcément
Le problème d'aller lire des tonnes de livres, d'aller se recharger le mental à bloc, moi je crois profondément à ça. Mais en revanche, recréer du lien avec les uns, avec les autres, créez-vous un réseau, discutez-en avec les gens. Et à ce moment-là, vous allez voir que petit à petit, les choses s'imbriquent, se mettent en place. Et puis, vous avancez bon an, mal an, et vous risquez de découvrir des choses absolument extraordinaires. Pourquoi est-ce que c'est, pour moi, source d'aide potentielle, très fortement? C'est parce que vous allez être beaucoup mieux avec tous vos ressentis. Vous allez plus comprendre, en fait, savoir un petit peu d'où ils viennent, comment les organiser, est-ce que vous pouvez les développer, vous connecter, vraiment établir une véritable connexion, ce dont nous parle finalement cette carte du conseil aussi, puisque c'est un conseil de sage. Alors le conseil, c'est intéressant parce que à la fois, il y a tous les guides, tous les êtres de lumière, tous ces êtres que finalement on ne voit pas, qu'on peut percevoir, avec lesquels on peut échanger. Et on a aussi notre propre guide intérieur. C'est-à-dire qu'il y a ces sagesses que l'on va rechercher systématiquement à l'extérieur de soi, ces guidances. Il faut comprendre qu'on a notre propre guide aussi à l'intérieur et qu'il faut le faire grandir petit à petit. Ce guide-là, pour se connecter à lui, c'est vraiment par la prière, la méditation. En sachant que la prière, et j'étais heureuse d'entendre ça, c'est Serge Boutboul qui en parlait et qui disait la prière est encore plus puissante que la méditation. À partir du moment où on se connecte profondément en soi, avec le cœur, c'est un accès direct à notre cœur, aux sphères les plus élevées de notre être. Si vous vous mettez à prier une prière hyper sincère, et il n'y a pas besoin de beaucoup, forcément beaucoup de mots, mais finalement vous écoutez, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de demander? Et puis vous déroulez, puis vous allez penser à un tel, à une telle, et vous y allez. Et finalement, mais à la fin, mais moi c'est très très fréquent que dans les prières, je me mette à pleurer. Parce que c'est finalement, je finis par implorer, parce que c'est tellement profond, quoi. Et en fait, je me rends compte que quelque part aussi, il y a une espèce de nettoyage qui se fait. Et puis, c'est un soulagement, parce que finalement, au terme des prières, moi, j'ai remis finalement ce que j'avais sur le cœur, les choses que j'avais à demander, et ça ne m'appartient plus. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment, je reviens sur cette histoire de prière, mais je pense que c'est, oh là là, mais ça vaut toutes les thérapies du monde, ça vaut certaines séances chez un tel et un tel, enfin, je sais pas, des spécialistes pour se débarrasser de ci ou de ça. La prière, c'est à la fois une connexion, un nettoyage. Ça amène des transformations dans nos vies, c'est des soulagements, des guérisons, enfin, on ne mesure pas. Et en plus, ça a un impact absolument extraordinaire autour de nous. Donc la carte du conseil, pour moi, c'est autant finalement le fait d'apprendre à se connecter et que ça devienne un réflexe, c'est-à-dire vous avez n'importe quoi, n'importe quel besoin, n'importe quelle blessure, questionnement, je sais pas, tout ce qui vous vient à un moment donné qui bloque ou tout simplement une curiosité, une envie de savoir, etc. Eh bien, allez demander. Ça va petit à petit instaurer, comme je le dis souvent en revanche, éviter d'attendre des réponses immédiates. Parce que souvent, quand on exige des réponses tout de suite, c'est le mental qui va répondre. Et puis là, on va sentir que ça vaut pas grand-chose, on va se retrouver un petit peu embêté, puis se dire, ah bah oui, mais alors tu vois. Et ça instille des doutes, parce qu'on se dit, oui, non, mais là, c'était toi, et bon. Donc, moi, il y a des fois, je préfère aussi
sur certaines grosses questions que j'ai à poser, dire soit on me répond tout de suite, soit si on ne me répond pas tout de suite, enfin, pardon, soit on ne me répond pas tout de suite et auquel cas je dis ok, je vais attendre, soit on me répond tout de suite et à ce moment-là, il y a des fois, je peux demander des confirmations parce que je vais avoir une discussion avec tel ou tel, parce que, etc. Et à ce moment-là, ok, je peux être sûre de mes canettes. Sur des sujets vraiment très très importants pour moi et dans ma vie, je fonctionne de cette manière-là. Et petit à petit, finalement, je me rends compte que mon guide intérieur, il grandit. C'est-à-dire qu'il y a des choses où je me rends compte maintenant, je peux répondre entre guillemets toute seule. J'ai compris certains modes de fonctionnement ou alors ma connexion, elle s'est considérablement affermie et tout va très très vite. Voilà. Mais on a aussi, il faut le savoir, une partie divine en nous. Et donc, de temps en temps, il y a effectivement la possibilité, avec notre propre guidance intérieure, d'avancer, de répondre à certaines questions. Voilà pour ces deux-là. Alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, on nous parle et des anciens, et c'est-à-dire du monde terrestre, de se relier à quelque chose qui soit qui a un sens au niveau des aïeux, au niveau familial, ça nous parle d'ancrage. Et puis de l'autre côté, on nous parle du conseil et le conseil, il nous parle du côté spirituel, du ciel. Donc j'aime bien ça. Et au milieu, on a la carte des chemins multiples, comme une reliance finalement. Et finalement, c'est de nous dire, il y a une espèce d'aller-retour permanent entre les deux. Alors pourquoi est-ce que je l'ai laissé justement, je veux finir par cette carte-là? Parce que vous voyez bien que pour moi, il y avait un jeu, c'était rigolo. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, d'accord, bon. Et puis d'autre part, parce que tout ce que je viens de dire, il y a 10 000 manières de le vivre. Je pense que on n'a pas forcément 10 000 chemins de prévus dans notre vie. J'entends par là toutes les errances, les virages de nos vies, etc., etc. Ils ont été prévus, il n'y a pas de souci. Mais le chemin, la mission de vie, qui on est amené à devenir, etc. Voilà. C'est a priori le chemin il est tracé. Sauf que on a énormément de manières avec lesquelles on peut envisager de traverser ces chemins-là, cette vie. Et ne tient qu'à nous finalement de définir ça et de comprendre petit à petit qu'on a le choix. Alors, on n'a pas forcément le choix du chemin, mais on a le choix de la manière dont on va traverser le chemin. Ça, il faut pour ça une grande... Comment est-ce que je peux dire? Faut une grosse dose d'acceptation et de se dire, si je suis là à tel endroit, à tel moment, c'est pas par hasard. Si je me retrouve face à cette personne, c'est pas par hasard. C'est-à-dire, j'ai des choses à comprendre, j'ai des choses qui doivent avancer, évoluer. Et ça, par moment, ça peut être compliqué, surtout quand on est passé par des chemins un peu difficiles. Mais en tout cas, ça nous remet beaucoup dans une position où on arrête de subir les choses et où on se dit, ça veut dire que moi, quelque part, je suis assez costaud, je suis assez forte si on me met face à ces événements-là pour y arriver. Et cet événement, soit il peut me détruire, soit il peut me construire. La différence entre les deux, ça va être quoi? Ça va être ce que moi, je choisis de faire avec l'événement, avec la situation, avec peu importe. Donc en fait, si je choisis de devenir victime, une pauvre chose, etc., etc., ça va me détruire. C'est fini. Je peux tomber dans l'amertume, je peux tomber dans la rancœur. À terme, si j'entretiens ça, j'entends par là, victime, on l'est à un moment, au moment de l'événement. Et derrière, c'est là que il faut choisir. Soit, je le redis, on reste et on ressasse cette situation, et auquel cas on va vers la destruction, c'est fini. Soit, on prend son courage à deux mains et on se dit, bon, ok, ça n'a pas été simple, ok,
j'en bave, mais maintenant, je vais aller vers le chemin de la construction par rapport à ça, par rapport à cette situation, et donc, je vais pouvoir me remettre debout, mais me remettre debout complètement différemment. Je ne sais pas si vous voyez la force à ce moment-là intérieure, la connaissance de soi qui s'acquiert, la sagesse, la tolérance, enfin, c'est tout bénef. Quand on vit des choses comme ça, et plus ce que l'on vit comme événement est compliqué et difficile, et finalement, plus le retournement, quand on se construit avec ça, il est énorme. Il est énorme. Alors moi, je dis souvent aux gens que je rencontre pour expliquer par rapport à des chemins de vie qui ont pu être très très difficiles, je dis de toute façon, c'est en fonction du tempérament et de la mission de chacun. Si quelqu'un, il a eu peu de choses dans sa vie, des petites choses, qui pour lui ont pu être grandes hein, d'ailleurs, hein, parce que tout est très relatif, hein. Mais ça voudra dire qu'il n'aura pas forcément des choses énormes à assumer non plus. Toutes les personnes qui ont traversé des choses très très costauds, avec des vies très chargées, c'est très souvent parce que au bout du compte, et si elle remporte la victoire, il y a des choses à assumer, il va y avoir des grosses responsabilités. Et donc on ne peut pas amener quelqu'un spirituellement dans des places à grosses responsabilités avec un tout petit bagage, parce qu'il va se casser la figure, ça va être phénoménal. Voilà. Donc les chemins multiples pour moi, c'est ça. Et plus on va avancer dans la vie, et plus on va se dire, en fait, se rendre compte que oui, on récupère finalement un pouvoir absolument extraordinaire sur sa vie. L'événement, je l'accueille, finalement. Et il ne m'appartient pas, je dirais. Parce que ça, je ne l'ai pas choisi. C'est comme une espèce de jeu extérieur qu'on m'apporte. Est-ce que tu veux jouer avec ça? Jouer entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, c'est pas pour dire c'est. Non, jouer dans le sens, est-ce que tu veux vraiment construire quelque chose avec cette chose, avec ce qu'on t'a amené à vivre? Ok, si c'est le cas, allez, on y va. On se donne et on se. Comment? Oui, on se lance, je dirais, à corps perdu. Et puis. Parfois, hein, selon certains événements de vie, ça peut prendre des années pour aller au bout. Bon, c'est comme ça. Mais combien je vois dans des personnes qui, maintenant, au niveau spirituel, ont une position à assumer quand même, où il faut qu'elles assument aussi d'être un exemple, etc. La plupart du temps, ce sont des choses qui commencent relativement tard dans une vie. On démarre pas ces trucs-là à 30 ans, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ou alors il se passe des choses après. Mais en tout cas, souvent, les chemins de vie au début peuvent être très compliqués. Et puis, il y a un travail énorme qui se fait et à un moment donné, wow, voilà, ça s'ouvre, ça se libère, il y a des accès d'un seul coup à des choses qui sont assez puissantes, et puis voilà. Mais voilà, le reste pour moi ce sont des exceptions, des grosses grosses exceptions. Je pense que la grande majorité des personnes elles mettent du temps à se construire. Alors est-ce que je vais quand même prendre une carte comme j'avais fait sur le dernier tirage, je vais prendre une carte pour aller qualifier un peu chaque est-ce qu'on a des choses à nous dire? Ben, le roi de Pentacle au niveau des anciens. Le cavalier, pardon. Donc ça veut dire pour moi ici le fait d'être dans une forme de recevoir. Le cavalier de Pentacle, pardon. Lui, si, pardon, parce que j'étais encore restée sur le roi, vous voyez. Non, non, c'est le cavalier. Et ce cavalier, pour moi, c'est un conquérant. Faut repartir à la conquête, finalement, de tout ce savoir ancestral, se positionner vraiment comme. Je sais, moi, je ne sais pas, mais je veux apprendre. Je veux vraiment, vraiment apprendre. Je crois que c'est. Je me reconnecte à ce qui me.
ce qui m'envoie. Ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est finalement, il y a je ne sais combien d'anciens qui ont été dans une grande inquiétude, voire une meurtrissure, par rapport au fait qu'il y ait eu cette coupure et que tout ce qu'ils avaient eu à transmettre, finalement, ça n'a pas été transmis. Et il y a de plus en plus de médiums spirites qui travaillent et qui vraiment transmettent des messages, justement. C'est comme si, j'ai l'impression, parce que là, qu'est-ce que ça s'est ouvert, qu'est-ce que, je dirais, ça s'est libéralisé. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui reçoivent et avec une facilité tout à fait déconcertante. Je pense aussi que ça revient parce que ça n'est plus pourchassé, mais là on nous dit mettez-vous en position grande ouverte, allez dans cette position d'ouverture parce que il y a des choses à reconquérir dans ce savoir ancestral et même prier et demander aux anciens, demandez-leur ce qu'ils ont à vous transmettre. Après, vous avez le cas d'épée au niveau des chemins multiples qui nous parle de régénérescence, de se mettre en retrait un moment pour aller rechercher finalement un moment de grand calme, un moment où on a besoin finalement avec le cadre d'épée de ne plus fonctionner avec le mental exacerbé, de dépasser quelque chose de l'ordre du cadre, d'un pur cadre mental. Parce que en épée, le 4, ça représente vraiment toujours cette assise. C'est pas là que vous aurez l'assise, finalement. Dans les chemins multiples, il va falloir aller rechercher quelque chose au-delà. Au-delà du mental, se reconnecter à vos ressentis, à se reconnecter avec ce 10 de coupe aussi, qui nous parle de providence divine, qui nous parle de vraiment d'un énorme épanouissement, hein, un épanouissement de folie. Et puis on finit avec ce 7 de bâton qui nous dit faut y aller et avancer avec assurance. Prendre sa place, avancer avec foi. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous dites mais moi qui je suis pour qui je suis pour demander ou pour entendre des réponses ou pour ceci ou pour cela. Vous êtes un être extraordinairement lumineux. La seule chose, c'est que cet être lumineux, il est enfermé dans un corps de chair, dans une lourdeur, avec un poids, c'est compliqué. Et il faut dépasser cette chose-là pour aller se reconnecter. Mais vous avez toute légitimité à prendre votre place dans ce monde spirituel, à vous connecter. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de... comment je peux dire, d'hors norme ou je ne sais pas quoi. Pour moi, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, c'est tout simplement de dire, mais c'est normalement l'être humain, il est doté de ça, c'est aussi un être spirituel, on le sait tous. C'est-à-dire que ce qui est complètement anormal, c'est qu'on se soit coupé de ça pendant des siècles et des siècles, voire des millénaires. Et pour moi, si on s'est coupé, c'est parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, il y a eu une entité, une institution qui s'est arrogée le savoir exclusif dans le domaine spirituel et qui a dit, nous, on sait, et non seulement on sait, mais on est indispensable, donc vous ne savez plus rien. On a dépossédé finalement l'homme de son pouvoir intérieur, intrinsèque, de qui il était aussi, puisque de toute façon c'est un être spirituel. Et cet arrachement, je dirais, le fait d'avoir ôté toute racine comme ça, et d'avoir dit finalement vous êtes profondément corrompu, puisque la chair est corrompue, donc voilà. Et comme on avait retiré la part divine de l'homme, mais finalement, en fait, les hommes ont été contraints, quelque part, de se croire minables. Sauf que aujourd'hui, voilà, on a compris tout un tas de choses. C'est fini, ça. L'emprise, elle est finie. Les bobards, ils sont finis. Les mensonges, c'est terminé. Donc, réavancer
en conscience, avec assurance, et reprendre sa place dans le quotidien, vis-à-vis de vous-même, dans votre partenariat avec la vie, en vous disant, mais moi aussi je suis un être spirituel et j'ai des choses, j'ai des pouvoirs donc qui sont liés à ça, et j'ai des choses à exprimer dans ce domaine. Voilà, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. C'est un très très beau tirage, enfin ouais, ça me plaît énormément, j'aime beaucoup. Je pourrais peut-être finir avec un petit message des anges, ça me ferait plaisir. Voilà. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Je vais voir. Bon. J'aimerais bien que ça tombe, franchement. Mais je pense que oui, ça c'était bien encourageant. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Vous voyez, je parlais de se reconnecter finalement à cet être intérieur et de dire on a ce guide intérieur. Eh bien oui, cette intuition, c'est notre guide intérieur et c'est une voix qu'on doit nourrir, qu'il faut muscler pour qu'on se sente beaucoup moins désemparé dès qu'il y a quelque chose qui bouge un peu dans notre vie, qui évolue et qui nous remue un petit peu. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire, et je vais finir par ça, parce que j'ai oublié de vous le dire dans les chemins multiples. Ce que l'on vit en ce moment, c'est pareil. On peut le prendre de plein de manières différentes. Soit on peut le prendre en disant « Oh, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur. Oh, bah oui, qu'est-ce que c'est dur. Ah, mais oui, mais alors je suis perdue, je suis vraiment perdue, je suis très, très perdue. Oh, » bah, voilà. Et puis, soit on peut se dire « Bon, qu'est-ce que ça vient remuer en moi? À quel endroit, justement, je me sens perdue? Et mon guide, est-ce que tu ne peux pas me dire, là, qu'est-ce qui est en train de remuer? Ou alors moi, avec mon intuition, finalement, je ressens quoi? Qu'est-ce qui me déstabilise? Ah, c'est ça, d'accord. Ah bah tiens, je vais pouvoir le travailler de cette manière-là ou de cette manière-là. C'est-à-dire, petit à petit, d'entrer dans un vrai dialogue avec soi, avec la vie. Mais ça veut dire qu'il y a une prise de recul qui se fait, qui est considérable, et que finalement, on n'accueille plus cette période compliquée de la même manière. Voilà. Donc, ce que vous savez devoir faire, ben faites-le maintenant, et puis vous vivrez plus pareil. Voilà, je trouve ça un super tirage, ça me plaît bien en tout cas. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter plein de belles choses, parce que vous avez vu qu'il y a il y a de la matière, hein. Il y a de quoi faire. J'espère que ça va justement vous rebooster. Et puis, je vous dis merci pour vos commentaires et vos likes, vos abonnements éventuellement. Et je vous incite vraiment à faire connaître cette chaîne, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont transmises et qui peuvent aider d'autres. Voilà. En tout cas, bonne journée à vous, à très bientôt sur d'autres énergies sur Séphirot et compagnie. Bye bye.